Salut les positives attitudes! En fait, j'allais acheter mon ticket de train et je me suis dit, ah mais attends, je peux faire une vidéo, carrément. Du coup, en fait, je voulais vous parler du ticket de train que j'ai. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc c'est pour aller de Gdansk à Gdynia. Oui, parce que j'ai une personne à aller voir à Gdynia. Du coup, j'ai payé le ticket de train pour 60 zloty pour le mois. Et du coup, 60 zloty, ça revient à 13-14 euros. Et si vous voulez faire Gdansk-Sopot, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui a ce ticket, comme Gaëtan, et ça coûte 40 zloty, 42 zloty, un truc comme ça. Donc, ça revient encore un peu moins cher. Ça fait 10 euros. Voilà. Et du coup. Quand vous achetez ce ticket, en fait, c'est pas cher parce que nous, on est étudiants. Et du coup, voici la carte étudiante. Donc, il est impossible pour moi de montrer ce ticket sans cette carte. Si je montre ce ticket, automatiquement, le contrôleur, il va me dire votre carte. Voilà. Donc, voilà, j'ai une belle figure, hein. Voilà, donc c'était l'information que je voulais vous donner aujourd'hui à propos du ticket de train. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a servi à quelque chose ou laissez-moi des commentaires si vous aimez ou pas. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vous dis à la prochaine et un gros bisou. Salut!